Shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes réunis en ce matin dans le nom du Père Créateur, dans le nom du Fils Sauveur de nos âmes et dans le nom du Saint-Esprit qui nous fortifie. En ce matin, nous fêtons la visitation de la bienheureuse Vierge Marie. La visitation de notre Mère du Ciel. Celle qui est allée à la rencontre de sa cousine Élisabeth. Et nous pouvons lire l'évangile de ce jour, tiré du livre de Luc, du verset 39 à 56. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur revienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Et alors là, Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Au travers de cette parole que nous lisons ce matin, jour de visitation de notre Mère, je veux tout simplement te dire et te demander, tout comme Marie et tout comme Élisabeth, que nous puissions aller à la rencontre de l'Époux, à la rencontre de l'Esprit Saint. Quand Marie rentra chez Élisabeth, Jean-Baptiste a tressailli de joie en elle. Tout simplement parce que Marie était remplie de la présence du divin, de la présence du Saint-Esprit. Elle était remplie tout simplement de la volonté du Père pour sa vie et pour ta vie à toi. En ce matin, il nous demande tout simplement, comme elle à son image, de nous laisser tout simplement visiter. Afin que comme Élisabeth, nous puissions également tressaillir de joie.
tout comme Jean-Baptiste, du moins je le dirais, que nous puissions tressaillir de joie, tressaillir d'allégresse au fond de nous. Parce que tout simplement, qui sommes-nous pour que la mère de notre Sauveur vienne jusqu'à nous? Or que Marie désire tout simplement te visiter. Marie désire tout simplement que tu ailles également à la rencontre vraie et véritable du Père, du Fils et de son époux bien-aimé, le Saint-Esprit. Et en ce matin, je veux tout simplement t'inviter à prendre cette prière avec moi. Dieu éternel et tout-puissant, tu as inspiré à la bienheureuse Vierge Marie, qui portait en elle ton propre Fils, de rendre visite à Élisabeth. Accorde-moi d'être docile au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir avec elle te magnifier toujours et éternellement. Amen. Tu peux répéter cette prière au fond de toi tout au long de cette journée. Accepte tout simplement d'être visité par Marie, afin qu'elle puisse prendre tes vases vides, tes jarres vides pour les présenter également à son Fils, afin que lui à son tour puisse les remplir de tout ce dont tu as besoin. Si c'est ton cœur comme une offrande, dépose-le à l'autel de Dieu et laisse-toi tout simplement remplir en tenant la main de Marie. Et en ce matin, je te demande tout simplement d'être dans le réel, dans le prophétique. Ferme les yeux de là où tu es et imagine-toi tenir la main de Marie comme un enfant qui t'accompagne devant l'autel de son Fils, afin que tu puisses te déverser comme il se faut, que tu puisses y déposer ta vie, que tu puisses y déposer ton cœur, ton âme, déposer ta maison, déposer tout ce qui était récipient vide en toi, pour laisser tout simplement son Fils te remplir. Alors fais-le. Seigneur, voici mon cœur, voici mon âme. Voici mes vases vides que je te présente en ce matin par les mains de Marie, afin que tu puisses les remplir. Que tu puisses véritablement les remplir de tout ce dont j'ai vraiment besoin pour une percée surnaturelle, pour mon avancée à moi. Telle est la prière que je fais monter par Marie en ce matin. Alors ne sois pas sourd et entends ma voix, entends mon cri monter vers toi. Amen. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus. Et voici qu'est semé en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi et son chemin. Au chemin de la vie.
son chemin vers Dieu. Et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Et son chemin vers Dieu. Et son chemin du roi. Oui, Marie, marche avec nous. Marche avec tout un chacun de nous. En ce matin, la prière que je te demande, Marie, c'est d'aller à la rencontre de tout un chacun de nous. Que ce soit au sein de nos maisons, dans nos familles, que ce soit même dans nos lieux de travail. Nous avons vraiment besoin, Marie, de te voir à l'œuvre dans nos vies. Nous avons besoin que tu viennes nous réapprendre à marcher avec ton Fils. Tout comme toi, Marie, que nous puissions en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu, faire monter des oui aux différentes volontés de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Marie, nous avons besoin que tu marches avec chacun de nous sur nos chemins de vie, sur nos chemins de foi. Nous avons besoin, Marie, de pouvoir et en tout temps reconnaître la main agissante de ton Fils dans chacune de nos situations. Nous avons véritablement besoin de te voir défaire tous ces nœuds qui nous empêchent de véritablement être dans ce que ton Fils veut et attend de chacun de nous. Alors Marie, viens encore en ce matin. Viens encore en ce matin. Viens encore en ce matin au sein de nos maisons. Viens encore en ce matin au sein de nos familles. Toi la reine de l'univers, toi la reine de nos familles, toi la reine de nos foyers. Toi la mère de l'Église, mère des apôtres et des pécheurs. Viens à la rencontre de tout un chacun de nous. Tu as été annoncée et tu as été choisie parmi tant de femmes pour porter le Sauveur de nos vies. Tu es celle que Ésaïe a annoncée des siècles. Tu es celle qui a écrasé la tête antique du serpent. Alors, par ta visite en ce matin, viens encore et par ton talon que tu écrases encore les différents serpents et scorpions de nos vies. Viens, maman Marie, parce que nous avons véritablement besoin de toi. Son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de vie. Ils sont chemin du roi. Ils sont chemin du roi. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Notre-Dame de la Visitation, visite-nous. Marie, Notre-Dame de toute grâce, obtenez-nous des grâces. Marie, Notre-Dame des Victoires, obtenez-nous la victoire. Et bien-aimés de Dieu, c'est dans cette atmosphère priante avec Marie, notre mère, que certainement tu vas continuer à prier tout au long de cette journée afin qu'elle vienne encore te faire du bien et visiter tous les domaines et aspects de ta vie. C'est dans cette mouvance-là que je te souhaite véritablement de passer une sainte et agréable journée.
qu'il advienne selon ta foi. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.